Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, ce serait pour commander, s'il vous plaît, un trip to USA, le demi-poulet, la trip to USA, s'il vous plaît. Bah, en fait, je vous explique, je suis en train de tourner une vidéo où je fais de la cuisine. Et en fait, bah, je sais pas cuisiner, donc je prépare aucune des recettes. Attendez, je vous rappelle. Non, arrête ça, c'est bon, arrête. Bonjour Amisicos et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cook and Beat, l'émission où on apprend à cuisiner les musiques du monde. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un plat plein de pêche, de bonne humeur et de saveur, rempli de groove et de jazz. C'est parti. Aujourd'hui dans Cook and Beat, on va venir explorer les saveurs afro-américaines avec un plat de soul food. J'en place tout de suite gros big up à l'envol HL pour ce plat succulent. Je vous invite à aller faire un petit tour sur leur Instagram et aller manger chez eux après le confinement, bien sûr. La soul food est un type de cuisine américaine associée aux cultures afro-américaines. Et aujourd'hui, on est parti dans un délire un petit peu Nouvelle-Orléans avec plein de jazz, avec des samples qui partent dans tous les sens et plein de couleurs. Bon appétit! Mais Cook and Beat, c'est avant tout une émission de cuisine. Alors, qui dit cuisine, dit tablier. Qui dit tablier, dit école, dit note. Qui dit note, dit baccalauréat. Qui dit baccalauréat, dit rattrapage, dit chômage. Chômage dit youtubeur. Youtubeur dit pas d'argent. Sans plus tarder, découvrons ensemble les ingrédients de cette recette. Une magnifique pièce de sample de jazz américain qui a baigné dans sa basse barbecue toute la nuit. C'est une très très belle pièce qui vient d'ailleurs directement de la Nouvelle-Orléans du 77 en Seine-et-Marne. En accompagnement, vous aurez un kick maison. Je insiste bien sur le kick maison. Et vraiment pour agrémenter tout ça, on aura trois sauces, des sauces spéciales qui ont été faites sur mesure pour ce plat, pas du tout. Nous aurons notre sauce snare, notre sauce chop et nous aurons une sauce hi-hat. Juste une sauce hi-hat, rien de plus, rien de moins. Nous allons passer directement à l'élaboration de notre recette. Mais d'abord, regardez, j'ai ramené un petit plat pour pouvoir disposer cette belle pièce de sample de jazz. C'est pas beau ça, c'est rustique, moi j'aime bien. Ça me rappelle un petit peu mon enfance que j'ai passée. Je t'ai dit d'ailleurs que j'ai grandi en Louisiane. En Louisiane, ma mère en fait, elle était éleveuse d'écrevisses. Et mon père était chasseur de grizzly. Après voilà, c'était des rencontres se font comme ça. C'est parti pour l'élaboration de notre recette. Vous allez voir, on n'a pas grand chose à faire puisque tout a été préparé en amont. Nous avons d'abord la pièce maîtresse de cette recette, notre belle pièce de sample de jazz. Avec beaucoup de trompettes, avec beaucoup de saxophones, qui a vraiment un groove très particulier. C'est vraiment quelque chose qui va prendre toute la place dans l'instru, c'est vraiment l'élément qui est au centre de notre recette. La partie principale de cet instru réside dans nos samples utilisés. Je suis allé du côté de chez Arcade dans ma banque The Crate et j'ai trouvé des lignes de samples plutôt sympas. J'ai changé la tonalité et j'ai fait durer mes samples pour faire une petite intro. Pour casser avec cette légèreté, j'ai joué des samples en laissant beaucoup de silence. Ce sont ces silences qui vont apporter du rythme et du groove. Pour avoir une instru un petit peu découpée, saccadée et apporter beaucoup de rythme. Elle est accompagnée d'une marinade basse barbecue qui a reposé toute la nuit avec. Cette marinade a permis en fait que cette sauce, cette basse barbecue, se lie complètement avec ce sample et fait un résultat très homogène et permet en fait d'avoir un groove et un rythme qui combinent parfaitement. Pour notre basse marinade, je suis allé du côté de chez Massive et on a trouvé une petite basse qui sonnait comme ça. Sur lequel on a rajouté un petit driver et une légère disto pour rendre ce son un peu plus crade. Et on est venu jouer en appui sur les samples. L'idée là, c'est de toujours garder le rythme avec les silences. Accompagner ceci, on a notre kick maison, vraiment très rustique avec un fort impact, qui permet d'amener beaucoup plus de percussion, d'amener beaucoup plus de rythme et de saccader un petit peu notre recette.
Pour la partie rythmique, on aura ce kick que j'ai joué dans mon plugin batterie et on va venir avec ce kick remplir un petit peu les silences et apporter plus de rythme. On va les disposer à côté de notre pièce maîtresse, comme ceci. Mais ce qui va venir vraiment faire groover tout ça, ça va être notre sauce, nos trois différentes sauces qui vont composer nos éléments rythmiques. On va avoir notre première sauce, c'est notre sauce snare, qui va rapporter encore un petit peu plus d'impact, qui va venir en supplément de ces kicks. La sauce snare qui est presque un clap, et on va essayer de faire une rythmique un petit peu différente. Notre deuxième sauce est notre sauce chop, il va venir à contre-temps de la première sauce pour apporter encore un groove différent. Ça va venir casser cette rythmique très régulière, très basique de notre recette. Par-dessus ce snare, on va rajouter un deuxième snare avec des petites percus pour jouer à contre-temps et apporter beaucoup plus de groove. La dernière touche, c'est la sauce hi-hat qui vient vraiment en complément. Celle-là, on n'était pas obligé de la rajouter, mais elle fait toujours son petit effet. Elle permet d'ajouter encore plus de volume à notre recette, plus de saveur et plus de... Un peu plus tard dans notre instru, on va rajouter notre sauce hi-hat. Notre première ligne est une ligne toute simple avec quelques rolls et on va laisser un espace pour la snare. À ceci, on ajoute une deuxième ligne, c'est des loops qui sont chez Arcade, des loops de hat et de percu. Et ainsi qu'une troisième ligne de perc. On va venir les disposer sur notre plat et on va venir écouter ça. Tarder, on passe à la dégustation de ce magnifique plat. Avant de déguster cette superbe instru, je voulais faire un petit point sur la structure. Nous avons donc une intro avec les samples qu'on laisse durer pour le côté un peu orchestral, notre couplet avec les samples slicés, pré-refrain, refrain, on répète le schéma qu'on avait en intro en laissant les samples plus longtemps et ne pas avoir ce côté assuré qu'on peut avoir dans les couplets, et on rajoute un petit rod pour adoucir et contraster encore une fois avec les couplets. Maintenant, enjoy et bon appétit. Plein de rebondissements et de grooves. Vous pourrez retrouver en description tout le déroulé exact de cette recette et vous pourrez également télécharger le pack de samples pour pouvoir reproduire cette recette à la maison, chez vous. Parce que chez vous, ça veut dire jusqu'à la maison. N'oubliez pas, comme d'habitude, le petit pouce bleu et si vous n'êtes pas encore abonné, si vous me découvrez avec cette vidéo, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Et n'oubliez pas, bon appétit bien sûr. J'ai toujours rêvé de dire ça, comme Joël Robuchon.